Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vais vous présenter encore aujourd'hui le graphique du Terra Luna et des nouvelles opportunités sur cette crypto-monnaie. Donc on va commencer ici par une récapitulation. Regardez ici, donc le Bitcoin est à moins 2% par rapport à sa valeur d'il y a 24 heures. Donc hier, quand les marchés sont ouverts, les crypto-monnaies ont suité très rapidement et sont en train de remonter maintenant petit à petit. Regardez le Solana ici qui est descendu en bas de 100 $. Pourtant, on avait déjà atteint 142 $. Donc maintenant, il a perdu à plus de 40 $. Donc c'est ça. Et il y a Terra Luna ici, Terra Luna qui est à la hausse aujourd'hui, contrairement à toutes les autres crypto-monnaies. Voilà. Donc on va continuer. On va aller maintenant sur le graphique. Regardez, nous sommes ici sur le graphique de Terra Luna. Regardez un peu d'abord le Bitcoin ici. Donc ce qui s'est passé la nuit passée, quand ils ont ouvert le marché, ils ont vendu, c'est descendu jusqu'à les 38 000 ici de Bitcoin. Donc les autres crypto-monnaies ont suivi ça. Donc vous voyez, le Terra Luna était descendu jusqu'à les 77 ici. Je vais afficher un peu mes indicateurs techniques. Regardez ici, l'autre jour, je vous avais dit que le Terra Luna pourrait continuer de chuter jusqu'à les 76 ici. Jusqu'à les 76 ici, parce que ce niveau-là est un niveau clé. Et donc, voici ce qui s'est passé la nuit passée. Effectivement, il est descendu jusqu'à les 76 ici, et même encore un peu plus. Voilà. Donc, là où on est, il est en train de remonter. Il est en train de remonter un peu. Donc ça peut être temporaire. Ça peut bien être temporaire parce que tant que le Bitcoin ici, bon, le Bitcoin il monte légèrement, mais tant que lui ne monte pas vraiment, c'est un peu difficile pour les autres crypto-monnaies de monter parce que le Bitcoin a beaucoup d'influence sur les autres crypto-monnaies. Donc regardez le Terra Luna. Donc quand on a fait la vidéo de l'autre jour, la crypto-monnaie était à ce niveau-là ici. Il était vers les 80. Donc j'avais dit que celui qui voudrait acheter à 80, il pouvait l'acheter et garder bien sûr. Ça, j'avais précisé. Donc maintenant, jusqu'à ce que ça remonte. Donc celui qui voulait aussi, il pouvait attendre que ça descende. Voilà, vers le niveau que j'avais montré ici, voilà le 76. Et maintenant, il est ici à 85. Donc, pour celui qui a acheté ici à 80, s'il veut vendre maintenant, il peut gagner à peu près 5 $ sur chaque pièce qu'il a acheté. Voilà, donc concrètement, moi maintenant, est-ce que je vais vendre ce que j'ai acheté à 83 parce que j'ai acheté des pièces à 83? Je n'en suis pas sûr que je vais vendre maintenant, je vais attendre parce que si on achetait à 83 et que ça monte ici à 118, voilà, je ne vais pas vous dire ce que ça peut faire en matière de bénéfices. Voilà, donc ça c'était l'objectif. Donc maintenant, est-ce qu'il faut acheter? Bon, 85, je pense que c'est un peu haut pour le moment. Voilà, donc il se fait que ça monte un peu jusqu'à la ligne que vous voyez ici. Et puis ensuite, ça va faire chemin inverse. Tout ça, c'est possible. Parce que regardez le Bitcoin ici. Bon, lui, ça va dépendre vraiment de ça aussi, du Bitcoin. Donc, il se fait que le Bitcoin retourne à partir de là. Et si cela se fait, le Terra Luna va retourner encore. Ça, c'est possible. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si vous avez des pièces que vous avez achetées un peu bas, si vous voulez prendre un profit partiel, vous pouvez déjà vendre pour prendre du profit. Sinon, vous pouvez attendre aussi parce que nous sommes vraiment au début de la semaine. On ne sait pas si les crypto-monnaies vont monter cette semaine ou si elles vont baisser cette semaine. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ma conclusion, si vous avez acheté des pièces à 80 $ ou moins, et que vous voulez prendre des profits partiels maintenant, vous pouvez vendre. Voilà, mais si vous voulez, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre. Il va probablement ressusciter, c'est possible, hein, c'est possible. Mais un jour, ça va monter jusqu'à des niveaux ici, s'il vous plaît, au bon Dieu. Voilà, donc merci beaucoup et on se dit très prochainement dans une autre vidéo.